tout repose sur un témoignage anonyme qui s'est avéré totalement inexact et contradictoire avec la réalité, voire faux. C'est pas faute de la part des avocats de la défense non seulement d'avoir dénoncé ce type de procédé, mais d'avoir attiré l'attention des juges d'instruction et de la cour d'appel sur la dangerosité sur ce type de méthode. Je rappelle quand même que, comme par extraordinaire, les quatre premiers arrêtés ont été arrêtés parce qu'ils appartiennent à la mouvance dite d'extrême gauche, sur la base de renseignements et de témoignages émanant de la préfecture de police, donc c'est-à-dire les RG, et il n'y a aucun élément un an après qui permettrait d'impliquer ces quatre personnes-là. Donc c'est bien politique, ils ont été arrêtés parce qu'ils font partie de la mouvance d'extrême gauche. Il y a une instruction phénoménale, avec des moyens colossaux, et ils n'arrivent même pas à rapporter un début de commencement de preuve. Et au contraire, nous, on a rapporté la preuve qu'ils ont commis un certain nombre d'erreurs. Ils avaient accusé Angel Bernanos d'avoir participé et d'avoir eu un certain rôle. Ils ont reconnu qu'ils s'étaient trompés. Ils avaient accusé Brian Morio d'avoir approché la voiture et d'avoir donné les coups de poing. Ils ont reconnu qu'ils se sont trompés, raison pour laquelle ils n'ont même plus renvoyé pour ce fait-là. Donc oui, ils n'ont eu de cesse de se tromper. À partir du moment où la chambre de l'instruction entérine le fait de recourir à un témoignage anonyme et valide les arrestations sur la base d'un témoignage anonyme, il fait déjà date, cette affaire fait déjà date. Il y a une régression terrible. On verra ce que dira la Cour de cassation, mais pour l'instant, il y a une régression des droits de la défense qui sont considérables. Je rappelle que n'importe qui, dorénavant, peut se faire interpeller, placer en garde à vue sur la base d'un renseignement anonyme. Ce n'est pas parce que les images sont spectaculaires qu'il faut valider une justice spectacle. Justement, la justice se doit d'être sereine. Les policiers, les juges d'instruction, les membres du parquet doivent avoir un peu de recul. Là, ce qu'on constate, c'est que les faits ont lieu à 12h30. Les premières arrestations ont lieu à 17h. Et il y a eu une très belle annonce du ministre de l'Intérieur, du procureur de la République, pour le journal de 20h. C'est-à-dire qu'il y a eu une telle pression politique que les policiers ont agi dans la précipitation, avec le risque que ça comporte, c'est-à-dire de se tromper, ce qui est le cas dans cette affaire. Mais ça, c'est le ministère de l'Intérieur qui ne peut pas s'empêcher de faire des fiches, hein, c'est historique, et donc qui ont qualifié et qui qualifie ces personnes comme faisant partie de la mouvance d'extrême gauche, d'ultra-gauche, antifascisme, ça allait leur demander, hein. Ils ne sont jamais définis comme tels. Ils soutiennent simplement comme des millions de personnes qu'ils veillent à l'acquisition et au respect des droits sociaux. Et ils sont contre leur destruction. Il y a des millions de manifestants, il y en a encore eu énormément il y a quelques jours. Moi, je considère qu'ils ont parfaitement raison. En tout cas, ils ont le droit. Ils ont toujours, et depuis le premier interrogatoire, contesté leur participation. Et il a toujours contesté sa participation au fait qu'il se reprochait. Et ce qui est extrêmement important, c'est que, alors que l'accusation était très sûre d'elle, le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre, mais également le procureur de la République en personne de Paris, avait dit qu'il y avait des éléments infaillibles à leur égard, au bout d'un an, ils ont été contraints de prononcer un non-lieu. Et donc on est passé d'une mise en examen pour tentative d'assassinat à un renvoi pour participation à une manifestation interdite. C'est-à-dire que c'est, une fois de plus, vous avez des images spectaculaires, il faut une réponse spectaculaire, médiatique, vous avez de grandes déclarations, et il y a une pression politique à l'égard des enquêteurs. Ces derniers sont obligés de répondre, agissent dans la précipitation et se trompent. Et ça fait que vous avez des ouvertures d'informations qui sont faites extrêmement rapidement. Il n'y a aucun recul et vous emprisonnez des individus pendant 42 jours et après vous dites « excusez-nous, on se trompait ». En effet, c'est vraiment pas vous, c'est tout. De votre client, il fait partie de ceux qui sont poursuivis pour violence volontaire. Non, et c'est surtout, il fait partie des quatre premiers interpellés et ils ont été interpellés sur la base d'un renseignement anonyme. Et ils ont été interpellés uniquement parce qu'ils avaient été fichés par les services de la préfecture comme étant d'extrême gauche. Le témoin anonyme, il y a deux choses. Il y a le renseignement anonyme, on ne sait pas qui c'est, et vous avez le témoin. Seule personne physique, le seul élément à charge, c'est un témoin qui bénéficie de la procédure de témoin sous X et qui s'est avéré être un policier. Parce que si, il n'y a pas de difficulté, on peut être policier et témoin. Là où il y en a une, c'est que ce témoin refuse systématiquement, avec l'appui du parquet et l'appui des juges d'instruction, de répondre à toutes les questions qui pourraient mettre hors de cause les personnes qui l'accusent. Systématiquement, tous les éléments qui pourraient être à charge, on nous les refuse. À chaque fois qu'on le met face à ces contradictions et face à où on démontre que son témoignage ne correspond pas à la réalité, il dit « je refuse de répondre ». Et là, les services, tant juges d'instruction que procureurs, se satisfont de cela. Et comme par extraordinaire, vous pouvez être certain que malgré 4 jours d'audience, il ne va pas être convoqué et il n'y aura pas de confrontation avec ce témoin anonyme. C'est-à-dire que les jeux sont complètement biaisés. Ils protègent leurs erreurs initiales.
Bah, ce qu'on attend de ce procès, c'est de une fois de plus, rapporter la preuve qu'il y a une volonté politique qui est suivie judiciairement de criminaliser ceux qui veillent à la défense des droits sociaux. Et que, dans ces conditions, ils n'hésitent pas violer les règles élémentaires du droit de la défense ou des principes généraux du droit. Et ça démontre une fois de plus que il s'était totalement trompé. C'est-à-dire que j'entends les syndicats de police qui se plaignent de cette requalification, mais il n'y a aucun élément qui permettrait de maintenir cette qualification. Tout comme on avait dénoncé cette qualification. C'est-à-dire que c'est une fois de plus un désaveu. Vous avez des images qui sont spectaculaires, il faut une réponse médiatique et judiciaire spectaculaire. Donc on ouvre sur ce qu'il y a de plus large, tentative d'assassinat. Il y a une instruction et on s'est dit, ben non, il n'y a plus grand-chose, il n'y a rien. Donc ben on requalifie. Mais il aurait jamais fallu ouvrir sur tentative d'assassinat. Le scandale est là. Le scandale, ce n'est pas la requalification. C'est le fait d'avoir validé une telle qualification initiale.